Hey, salut toi, c'est Papa Popote. Ben oui, écoute, on est mardi. Hein, puis mardi, là, il reste 2 jours seulement avant que là, les spéciaux finissent puis que les prochains commencent. Donc là, c'est vraiment le temps. Parce que si on veut pas avoir à acheter en grosse quantité, puis faire du surgelage et tout. La meilleure méthode, c'est de regarder, d'écouter Papa Popote le mardi. Parce que moi, je vais te le dire tout de suite après. Là. Je vais t'expliquer exactement les rabais, les 10 meilleurs rabais, OK, qui ne reviendront pas la semaine prochaine. Donc, ça va te laisser ce soir, mardi soir, et toute la journée de mercredi pour aller chercher les spéciaux que tu as besoin. Bien sûr, pas n'importe quoi, là, juste qu'est-ce que tu as besoin. Que tu sais que la semaine prochaine, tu voudrais en avoir, mais là, ils ne seront pas spéciaux, puis oh non, tu vas en acheter pareil, puis là, tu viens de perdre des grosses économies. Fait que c'est pour ça que c'est très important, cette petite liste, elle est courte, mais est-ce que justement, peut-être qu'il y a juste un ou deux produits là-dedans, puis juste ça, un ou deux produits, là, puis tu pour une semaine, puis tu viennes de payer ton abonnement pour tout le mois de Papa Popote. Ça te donne une idée à quel point que c'est rentable, là, de suivre Papa Popote, d'être abonné à Papa Popote. Hein? Donc, commençons tout de suite avec le numéro 1. Le poulet entier. Le poulet entier, il est un peu partout, dont entre autres chez IGA cette semaine. Il reste encore 2 jours. À 1,79 la livre, ou si tu préfères 3,95 le kilo. Ça, il y a du poulet la semaine prochaine en spécial. Il y a des pilons de poulet, il y a des cuisses de poulet, mais le poulet entier, non. Donc, c'est là que ça se passe si tu tiens à avoir un poulet entier. Numéro 2. Ben écoute, le brocoli, le chou-fleur, là, vraiment, je regarde la semaine prochaine, puis il est à peu près à 2$. Mais là, chez IGA, il est à 99 cents, puis il était, en tout cas, celui qui s'est à moins IGA, moi, il était beau, il était gros. Quoi, 99 cents, il aurait été petit, puis j'aurais pris pareil, là. Mais en plus, il était super beau, puis le brocoli est vraiment impressionnant, là, super. Moi, je sais pas, je l'ai acheté, puis je vais en rechercher, parce que je sais que la semaine prochaine, puis tu sais, il sera pas spécial, il va être à peu près à 2$, le dos, hein, ça paraît, là, tout en partant, donc... Je vais aller en chercher parce que c'est pas légumes là, qui pourrit vite. Là. Hein? Tu mets dans le frigo, là, puis ça peut rester là 2 semaines, là, 1 semaine et demie. Hein? C'est sûr que plus il s'en va en se dégradant, là, mais quand même, ça reste tout bon. Fait que c'est sûr que je vais en manger. Fait que écoute, ça c'est le numéro 2. Le numéro 3, ben écoute, le pâté Saint-Hubert. Hein? Soit pâté au poulet ou pâté à viande ou à quiche. Elle est à 98 chez Maxi. Puis ça, elle sera pas spéciale la semaine prochaine. Chez la semaine prochaine, par contre, il va y avoir des pâtés plaisir gastronomique à 5$. C'est des 500 grammes, je crois. Tandis que là, ça, c'est un 825 grammes là, pour le pâté Saint-Hubert. Mais plaisir gastronomique, c'est l'out. Ça le dit. C'est vraiment. Tout ce qu'ils font, là, c'est délicieux. Numéro 4. Le sirop d'érable. Écoute, le sirop d'érable, hein, on en veut tout le temps. Je ne sais pas si tu l'as acheté cette semaine, mais parce que tu te dis, oh, bon, on va attendre encore un peu, mais c'est quoi? Tu peux attendre tant que tu veux, mais je te dis tout de suite que la semaine prochaine, il n'est pas spécial du tout. Donc, si tu veux avoir, si tu n'as pas de sirop d'érable puis tu en veux, tu en as besoin pour une recette ou un dessert ou quoi que ce soit, ben c'est cette semaine qu'il faut que tu ailles le chercher à 4,98 chez Maxi, le sirop d'érable. Numéro 5, écoute, les cuisses de poulet. Cuisses de poulet chez Métro à 99 cents, la livre, si tu préfères 2,18 le kilo, ça... Encore, la semaine prochaine, il y a des pilons, il y a des hauts de cuisses, mais je pense qu'il n'y a, a pas de cuisses de poulet comme telle. Si c'est une cuisse que tu cherches, ben c'est cette semaine, puis c'est chez Métro à 99 cents d'année, où tu peux faire 2,18 le kilo pour les belles cuisses, là, avec la peau, puis là, c'est tout. Numéro 6, le filet de truite. La semaine prochaine, c'est le filet de saumon qui est en spécial, mais cette semaine, c'est le filet de truite chez Métro à 7,99 l'année, où tu peux faire 17,61 le kilo, encore moins cher que le saumon la semaine prochaine à 19,82. Donc, 17,61 pour un beau filet de truite, là, si t'aimes ça, là, écoute, c'est cette semaine que ça se passe, puis c'est chez Métro, entre autres. Numéro 7, le rôti d'intérieur de ronde. Écoute, le rôti d'intérieur de ronde, là, 2,99 chez Provigo, la livre, ou si tu peux faire 6,59 le kilo. Mais bon, je te dis, là, c'est vraiment la protéine à aller chercher si t'en veux, puis si t'en as pas. Ça, c'est clair. Numéro 8. Écoute, les noix de cajou, les amandes, hein, ça c'est mieux, pour la santé, c'est préférable, bien sûr. Mais écoute, la semaine prochaine, c'est sûr qu'il n'y a pas ça en spécial nulle part, parce que cette semaine, il l'a chez Provigo à 3,49 la canne de 200 grammes. Fait que, c'est tout qui sait. Mais je te dis, là, avoir des amandes, là, mange 20 amandes par jour,
puis t'éloignes le médecin pour toujours. J'exagère un peu, mais c'est vrai qu'il y a tellement de bonnes affaires dans ça, des magnésiums, il y a des vitamines, des produits qu'on retrouve dans l'amande, qu'on ne trouve pas partout, puis qu'on a de besoin. Puis en mangeant, juste 20 amandes, mais tu vas chercher tout de suite là, les affaires là, les rares, là, qu'on aurait besoin pour notre santé, puis qu'on ne consomme pas. Hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Souvent, on dit pas, c'est pas ce que tu manges qui est le problème, c'est ce que tu ne manges pas. Hein? Donc, pour la santé, c'est important d'y penser. Donc, hein, cette semaine, la semaine prochaine, tu vas payer 8$ la canne, mais cette semaine, c'est 3,49$ si tu n'en as plus. Si tu n'as acheté, tu es comme moi, tu les as toutes mangées, ben là, va en chercher d'autres. Numéro 9, les cubes de bœuf. Écoute, cube de bœuf chez Super C à 3,77$ l'allée, ou tu peux faire 8,31$ le kilo. Ça, c'est bien. Facile, là. Et tout est fait. Tu l'ouvres le plat, puis, direct dans ça, direct là-dessus. Moi, c'est sûr qu'une viande, j'aime bien la faire saisir, parce que je trouve qu'elle reste plus juteuse que quand on la met directement crue comme ça, tu sais, dans une sauce, par exemple, ou, tu sais, c'est important de faire saisir la viande parce que ça cotorise, hein? C'est comme si ça empêche le jus de sortir de la viande après, parce qu'on l'a comme bloqué toutes les pores en le saisissant. C'est ça l'idée de saisir les viandes. Fait que c'est pour ça que, mais quand c'est facile à maudit, là, parce que là, tu le pognes, tu saisis ta viande, puis après ça, écoute, tu peux le faire mettre dans une soupe, tu peux mettre ça dans une belle sauce brune, ou tu peux te faire, d'ailleurs, direct, là, tu mets des légumes, hein, tu te fais un genre de, tu sais, un pepper steak, là, par exemple, là, tu sais, avec des piments, puis des cubes de bœuf, là, ça, c'est super, là. Tu mets des céleris là-dedans, des gros morceaux de céleri, des gros morceaux de piment, avec des gros morceaux d'oignons. Ah, ouais, tu vois, avec des gros morceaux. Puis les cubes, tu refais venir ça avec une petite sauce, là. Sur un riz, c'est super. Ou avec une petite pâte, ou avec une salade, ou juste de même. Tu mets plein des légumes avec la viande, puis tu n'as pas besoin d'autre chose, honnêtement, là. Tu as tout ce que tu as besoin. Donc, ça, c'est vraiment pas cher. Donc, c'est cette semaine, parce que les cubes de bœuf, il n'y en aura pas la semaine prochaine. À ce prix-là, ça c'est clair. Et finalement, le numéro 10, ben le porc haché mi-maigre. Pas mi-maigre, maigre, puis je suis là. Maigre! Ben oui! Hey, ça, là, ça, à 1,77 l'allée, où tu peux faire 3,90 le kilo pour le porc haché maigre chez Super C. Ça a du bon sens, parce que moi, je m'en sers, tu le sais, pour les wontons. C'est sûr, il me fait des wontons avec ça. Là, j'en ai, je n'en ai pas cette semaine, là, dans mon cas, parce que j'ai encore des wontons. La dernière fois, j'en ai fait pour les fous et les fins, puis il m'en reste encore. Fait que, on va attendre au prochain spécial. Parce que le problème, au prochain spécial, là, ça va être dû à faire des wontons. Écoute, j'espère que vraiment, là, tu vas profiter de cette petite courte liste-là pour aller chercher les spéciaux, faire les économies vraiment très ciblées, pointues que je te montre aujourd'hui. Parce que, écoute, c'est du travail. Là. Moi, il a fallu que je fasse, que je regarde les circulaires de la semaine passée, puis je regarde les circulaires de cette semaine, la semaine qui s'en vient, là, puis voir les comparatifs pour te sortir cette liste-là. Donc, il y a du travail là-dedans, c'est sûr. Mais là, toi, tu l'as, t'as tout cuit dans la bouche. Tu as juste à la regarder puis dire, ah, il y a 2-3 produits qui m'intéressent, puis je sais que ça, c'est super. Fait que c'est ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine, puis ça va un beau bisou. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote.